Pendant que trois hommes, Émile, Millet et Martial, travaillent chez Gustave Caillebotte, un peu à l'image du malheureux Zola, on entendait presque ces mots. Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque, elle battait sa face écrasée, claquer sans relâche. Au bout d'un quart d'heure, il était couché dos au sol, couvert de sueur, tellement fatigué qu'il n'arrivait plus à marcher ni à parler, les mains couvertes de milliers d'ampoules. Oh, vous avez vu ce qui s'est passé? Moi, j'en ai marre de ces problèmes de société. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah moi, ça va. Hein. Tu trouves que c'est normal? On travaille plus de 8 heures par jour. On gagne une misère. Tu es d'accord avec cela? Ah oui, je vis comme ça. J'ai connu une personne à l'époque qui pourrait nous aider. Il s'appelle Émile Zola, il est écrivain et il a déjà aidé mon cousin à eux dans ce genre de problème. Il pourrait donc montrer et raconter à toute la France les problèmes de travail et de société actuellement. C'est bien que les artistes s'intéressent au peuple pauvre. On les appelle des réalistes, je crois. Ouais, de plus en plus d'artistes s'intéressent à nous. Qui sait Caillebotte est en train de nous peindre actuellement? Ouais, ça serait trop drôle qu'on se retrouve sur un de ces tableaux et qu'on nous invente une histoire. Je suis sûr que ça fera un scandale. Moi, je dis on manifeste. Ouais, on manifeste vu qu'on a des gilets jaunes pour le chantier. Ça fera un bon symbole. Mauvaise idée, ça ferait qu'empirer les problèmes. Oui, mais juste au début et après, le gouvernement changera de méthode. Je suis d'accord avec toi, Emile. Oh, moi je vous suis pas. Hein. J'ai pas envie de me retrouver en prison parce que je suis pas d'accord avec les gouvernements. Ok, toi tu veux rester exploité jusqu'à la fin de tes jours. Je crois que c'est ce qu'il veut. Ouais, vous avez raison. Faut pas avoir peur de menaces. C'est vrai qu'ils devraient avoir peur de notre manifestation. Mais ils ont déjà peur de nous. Ils vont avoir tellement peur qu'ils vont démissionner. Au début, je rigolais, mais là, ça m'a trop donné envie de le faire. Bon, on parle d'autre chose peut-être. Alors si Monsieur Caillebotte nous entend, ça va pas le faire, hein. Ouais, mais imaginez s'il nous peint. Je pense qu'on serait peint à hauteur normale d'un homme. Il nous dessinera à quatre pattes sur le sol. Il nous ferait certainement briller avec la seule source de lumière de la fenêtre. On pourrait paraître fatigué comme nous sommes actuellement. Bon, on parle d'autre chose, on arrête de parler. Parce que là, ça fait 5 heures qu'on travaille. Et nous, on a encore 3 heures. Tant qu'on n'a pas fini. On peut voir les femmes, les glaneuses, qui sont en train de travailler au champ de Chimilé. Pas bête, c'est pas loin, besoin de plus pour vite finir.